La communauté Pambamarca, c'est une petite communauté rurale. Donc, elle survit avec l'agriculture. Et le fait, c'est qu'il y a moitié de l'année où il pleut et une autre moitié de l'année où il ne pleut pas. Ils ne peuvent pas faire de l'agriculture parce qu'ils dépendent de l'eau de la pluie pour réaliser l'agriculture, pour faire l'irrigation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est assurer la sécurité alimentaire tout au long de l'année. Et on travaille avec la solution de l'eau solide qui permet de collecter et stocker l'eau lorsqu'il pleut, pendant la saison de pluie, pour après diffuser l'eau dans le sol en été où il ne pleut pas. Bueno, me enteré de ese proyecto el viernes pasado la primera vez y el sábado tuve la oportunidad de conocer también Pambamarca la primera vez porque en la fase anterior del proyecto de ASA con Pambamarca no estaba yo presente. Me parece una muy buena iniciativa. Estaba positivamente sorprendida también sobre la presentación del proyecto que me han dado el viernes y por eso decidí de que sí, esto es algo que ASA debe apoyar. El futuro de este proyecto yo lo veo muy positivo. Veo que es introducir nueva tecnología, nuevas herramientas para la agricultura en Pambamarca y en otras zonas del Ecuador que necesitan, es siempre necesario y siempre va a ser positivo. Respecto de la universidad y de cómo plantea su proyecto de Design Thinking, yo pienso que también tiene mucha aplicación en otras ramas, no solo esta que ahora ha sido escogida, de la agricultura, del agua, sino también en otras cosas, ¿no? Puede ser incluso en lo humano, en lo social. Y este proyecto yo aspiro que seamos un proyecto piloto, pero de muchos beneficios para la comunidad, ¿no? Porque es una comunidad realmente muy marginada y creo que si logramos trabajar más seguidamente con esta nueva tecnología, Pambamarca va a ser en pocos años una comunidad modelo, ¿no? Yo eso aspiro y yo estoy muy dispuesto a seguir colaborando con todos los que nos puedan apoyar un cambio de la matriz productiva, ¿no? En el campo agrícola y pecuario. C'est vraiment que quand nous avons voyagé que nous avons pu confirmer toutes nos théories. C'est-à-dire que quand nous avons été là-bas, nous avons seulement déjà pu discuter avec eux et essayer de comprendre quel était réellement leur problème. On a même pu découvrir non seulement rejeter et confirmer certaines hypothèses qu'on a pu faire, mais aussi ajouter des hypothèses, c'est-à-dire reprendre des choses qu'on n'a jamais pu penser et que là-bas c'était assez évident comme problématique. Je considère ça essentiel de voyager vers la communauté. Je pense que c'est quelque chose que je peux peut-être reproduire ça au Brésil. Et donc après ce projet-là, je veux continuer à faire des programmes humanitaires.